Salut, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais pour vous rendre compte de l'évolution des choses dans l'activité de ENG Consulting autour de études, Turquie et business. Nous allons parler beaucoup plus aujourd'hui de l'activité des étudiants. Voilà, avec les étudiants, comme je vous ai dit, depuis la reprise, les demandes ne cessent de s'accumuler. Et je pense qu'avec le programme de 50 inscriptions et 50 voyages que nous avons lancés pour septembre, nous serons largement au-dessus du chiffre que nous avons fixé, et ce qui est très bien. Voilà, donc actuellement, les universités également se bougent. Certains d'entre vous qui m'ont contacté, qui suivent cette chaîne, et d'autres personnes aussi qui ne suivent pas nécessairement cette chaîne, m'ont contacté pour leurs inscriptions. Et comme vous avez constaté, nous sommes en train de vous envoyer des emails maintenant, des emails avec les confirmations des universités. Donc, je suis très content de cette évolution-là. Ces universités-là qui ont répondu positivement à nos demandes, ont donné un certain nombre de conditions qui ne sont pas très, très, très rigides. Donc, nous sommes en train de suivre. C'est pour vous rassurer que les choses sont en très bonne voie. Une fois que vous aurez ces lettres d'acceptation définitive là, de l'université, vous n'aurez pas à vous déranger. Vous allez attendre simplement la suite des choses et je vous tiendrai au courant. Toujours est-il que c'est pour la rentrée de septembre. Ça veut dire que nous avons encore nous avons une certaine marge de manœuvre, surtout qu'actuellement, c'est le temps des congés, même si les cours ont repris d'une manière ou d'une autre, c'est le temps des congés et vous aurez votre visa largement en avance et vous aurez le temps de préparer votre voyage pour la rentrée de septembre. Et même si vous voulez, une fois que vous avez obtenu votre visa, si vous obtenez votre visa bien à l'avance, vous pouvez décider de voyager et nous allons organiser votre accueil et vous allez vous installer en attendant que septembre arrive pour lancer de manière claire votre année académique. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Et aussi, autre chose, c'est que n'hésitez pas, visitez le site www.dilami.com. www.dilami.com. Visitez ce site et créez votre compte dans ce site-là. C'est capital. Vous savez, l'école classique qu'on fait dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, c'est bien. Mais l'école, que je dirais non classique, est aussi très bien et même meilleur que l'école classique dans certaines circonstances. Vous voyez, les choses que vous apprenez au niveau de l'école non classique, généralement, vous permettent d'être plus pratique dans la société, dans la vie et dans vos différents projets. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai commencé à faire certaines formations en ligne, à prendre certaines informations pertinentes en ligne, et j'ai compris que lorsque je fais une formation en ligne, dans les 2 jours qui suivent, je commence à pratiquer et parfois je commence à gagner de l'argent en appliquant ces connaissances-là. Alors que lorsque j'apprends quelque chose à l'université, du moins les choses que j'ai apprises à l'université de manière classique, c'est parfois plusieurs années après
que je commence à les mettre véritablement en pratique. Et parfois, je dirais que 80% de ces choses-là, vous n'avez presque jamais l'occasion de les pratiquer. Alors que pour des formations en ligne, parce que là, dans les formations en ligne, on va droit au but. Et lorsque vous choisissez un thème, lorsque vous choisissez une formation, c'est que vous êtes dans un besoin précis, vous avez une question précise à laquelle vous voulez une réponse, à telle enseigne que 90 à 95% de ce qui va vous être transmis par des formations en ligne, vous allez appliquer ça directement. Donc voilà la grande différence. Et Dilamis, c'est une plateforme de formation en ligne. Tout le monde peut mettre son cours sur Dilami. Donc, si vous êtes coach, si vous êtes formateur, si vous êtes un éducateur, si vous êtes un instructeur, si vous voulez transmettre quelque chose, vous pouvez vous inscrire sur Dilami. Si vous avez des choses à apprendre, si vous êtes curieux, si vous voulez savoir qu'est-ce que les autres proposent, qu'est-ce qu'ils ont à proposer et tout, veuillez vous inscrire sur Dilami. Et nous avons lancé là-bas un cours très complet. Là, c'est pour les commerçants qui s'intéressent à la Turquie. Si vous êtes un commerçant et que vous vous intéressez à la Turquie, il n'existe pas une formation aussi complète que celle-là. Ça n'existe simplement pas. Le seul endroit où vous pouvez trouver cette formation actuellement, c'est sur Tilam. Et elle commence le 22 juin. Par contre, les inscriptions ont débuté. Certains communiqués seront faits pour les inscriptions, mais vous avez le privilège que vous suivez cette chaîne. Donc, vous êtes déjà au courant que les inscriptions ont commencé. Et il y a un coupon qui vous donne 50% de réduction sur le coût de la formation. Cette formation, elle vous dit tout. Elle vous dit tout. J'ai décidé de tout balancer. Je ne vais pas m'arrêter, je vais tout balancer. Et c'est une formation qui me créera beaucoup d'ennemis. Parce que cet esprit de partage de tout ce que je sais m'a déjà donné beaucoup d'ennemis. Mais c'est ma nature, je n'y peux rien, je vais continuer à le faire comme ça. Et justement, cette formation-là, parce que je vais vous dire tout, va également contribuer à m'apporter beaucoup d'ennemis. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, c'est ma façon de procéder, je vous dirai tout. Parce que je suis un connecteur de nature. Donc, je ne peux pas faire autrement que de partager les connaissances que j'ai, partager les informations que j'ai à ma disposition pour permettre à la majorité d'en profiter et de gagner en image, en argent et en connexion et en tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez, nous n'avons pas longtemps sur la Terre, nous vivons moins de 100 ans. Donc, c'est un temps qui passe très rapidement et après cela, vous ne serez plus là. Si vous avez légué les informations que vous avez, des connaissances que vous aviez, il y aura au moins des gens qui vont prendre le relais et continueront à partager cela. C'est ça la magie de la vie. Alors, en gardant tout pour soi, vous finirez bien sûr par ne plus être là et personne ne pourra bénéficier de tout ce que vous avez emmagasiné. Si nous avons un niveau de développement aujourd'hui, c'est parce que ce que des gens ont appris, ils ont transmis à d'autres qui ont transmis, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau de connaissance à cause de cette transmission-là. Donc, c'est ce que vous devez être. Vous devez partager ce que vous connaissez. Vous devez donner le relais, passer le témoin aux personnes qui viennent après vous afin qu'ils puissent continuer et aller plus loin même que vous. C'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne en vous partageant tout le plaisir que j'ai eu de fréquenter en Turquie et de fréquenter la culture turque, de parler le turc et tout ce que j'ai pu découvrir là-bas. J'ai décidé de le partager sur cette chaîne et de permettre aux étudiants peut-être de suivre le même chemin que moi, même entre guillemets, et de permettre aux commerçants de profiter de cette expertise-là pour booster leurs revenus en utilisant, en faisant des coopérations
avec les partenaires turcs pour booster leurs revenus. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir, restez connectés, partagez les vidéos le plus possible et n'hésitez pas à continuer de poser des questions. Et désormais, je préfère que vous posiez des questions sous les vidéos parce que lorsque vous posez des questions par WhatsApp et que je vous réponds, vous êtes le seul à avoir la réponse. Alors que si vous posez la question sous la vidéo et que je réponds, toute la communauté aura la réponse et c'est plus efficace. Sur ce, bye bye, au revoir. I'm going to go to the next one.